Salutations camarades, salutations Néandril. Salut Feverstein, salut à tous. Ça fait plaisir de te retrouver pour notre petit rendez-vous hebdomadaire qu'on reprend du coup après une petite coupure. On va revenir sur le lore de deux cartes qu'on a l'habitude de jouer sur Marvel Snap et ça nous permet un petit peu de découvrir l'envers du décor, découvrir l'histoire de certains personnages. Évidemment, nous ne sommes pas des experts, donc libre à vous d'ajouter les renseignements qui vous semblent intéressants. Mais en attendant, c'est parti. Donc, qui souhaites-tu nous présenter cette semaine ? Alors moi cette semaine, je souhaitais présenter Logjo. Donc voilà, gueule d'or en français, ce chien-là qui, lorsque vous jouez une carte, vous savez, sur l'emplacement où il y a Logjo, et bien du coup, ça l'échange contre une autre carte de votre deck. Donc une carte voilà très puissante. En ce qui concerne son lore, et bien Logjo en fait est né sur l'île d'Attilan. Attilan hein, qui est également un emplacement du jeu, qui est situé initialement dans l'océan Atlantique, mais cette île a été déplacée sur la Lune en fait. Et on va comprendre tout de suite pourquoi. Logjo fait partie de la famille royale des Inhumains. Donc il a l'apparence, hein, comme on voit dans les images, d'un énorme bulldog qui fait plus de 2 mètres de long, qui pèse pas moins d'une demi-tonne. Donc voilà, un bon chien de compagnie. Et c'est le compagnon d'ailleurs de Crystal, hein, qui est également présente dans le jeu. Alors ses pouvoirs à Logjo ont souvent été manipulés par des forces du mal, mais principalement par un certain Maximus. Logjo et la famille royale ont d'ailleurs rencontré la création de Maximus, qui est le Tricon, ayant été exilé en fait du refuge d'Attilan. On reviendra peut-être dans une prochaine vidéo sur le lore de Maximus, ça c'est pas l'objet, mais voilà, histoire de bien comprendre un petit peu pourquoi ses pouvoirs ont été manipulés. Sa première apparition fut lorsque les Inhumains ont essayé de récupérer Médusa dans le monde extérieur pour la ramener sur Attilan. Ça a eu pour effet finalement de les mener en confrontation avec les quatre fantastiques, qui étaient finalement les premiers humains qu'ils ont rencontrés, qui abritaient Médusa pour, après l'avoir sauvé, des Frightful Four, qu'on pourrait traduire par les quatre terrifiants peut-être, qui sont en fait l'antithèse des quatre fantastiques. Par conséquent, Logjo est indirectement responsable en fait de la révélation de l'existence d'Attilan au monde entier. Ils y sont retournés, mais sont retrouvés en fait prisonniers par la zone négative, qui a également un emplacement qui est bien embêtant dans Marvel Snap, cette zone négative qui a été érigée par Maximus autour du refuge. Personne ne pouvait ni entrer ni sortir en fait, de ce refuge, ils ont été vraiment condamnés à l'intérieur. Logjo va parvenir quand même à s'échapper et va errer un certain temps jusqu'à sa rencontre en fait, avec un certain Johnny Storm. Donc Johnny Storm, c'est Human Torch, c'est la torche humaine hein, des 4 fantastiques, et un certain Wingfoot. Ils ont voyagé ensemble jusqu'à trouver un moyen finalement de briser cette zone négative, et peu après, les Inhumains ont finalement été libérés de cette zone, et Logjo a pu transporter Crystal du coup à New York. Logjo a rapidement été contraint, malgré tout par Maximus, de renvoyer Crystal à Attilan. En fait, Logjo va avoir pour pouvoir de déplacer les gens et les objets qui sont proches de lui, n'importe où sur Terre ou n'importe où sur la Lune en fait, qui est du coup qui contient maintenant Attilan. Ses pouvoirs, comme on l'a vu, hein, sont bien souvent manipulés par les forces du mal, et justement ils vont essayer de profiter de ce pouvoir pour pouvoir transporter voilà des gens soit sur la Lune, soit sur Terre. On comprend tout de suite hein, d'ailleurs même le parallèle par rapport à son effet dans le jeu. Quand on joue une carte dessus, et bien du coup elle est immédiatement échangée avec une autre carte du deck, donc on voit un petit peu la synergie. Un petit peu plus tard, son pouvoir va être grandement amélioré en fait. Et il va être pouvoir de téléporter ces gens ou ces objets à des distances beaucoup plus longues en fait, sans se contenter forcément de la Terre ou de la Lune. En plus de ce pouvoir de téléportation, il a une surpuissance canine, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'il a une force exceptionnelle au niveau de la pression dans la mâchoire. Donc, quand on voit la taille qu'il fait et puis le colosse que c'est, on se doute bien que se faire mordre par l'objet, ça ne doit pas faire du bien. Et il a bien sûr, hein, comme tous les chiens finalement, un flair extrêmement évolué. Grâce auquel il peut suivre à travers l'espace dimensionnel l'odeur de n'importe quelle chose. Enfin, il va se nourrir essentiellement d'objets, enfin d'éléments du moins inorganiques, donc il va pouvoir se nourrir de restes de robots ou de choses comme ça. C'est un petit peu sa nourriture, sa pâté pour chien, quoi. Voilà, donc voilà ce que je pouvais dire au niveau de Logjo. Alors bien sûr, il y a d'autres aventures, hein. Il faudrait en revenir dans une vidéo bien plus longue. En tout cas, ça permet déjà de comprendre un petit peu qui est ce personnage, qui est très joué hein, dans beaucoup de decks sur Marvel Snap. Merci Néandril, c'était très intéressant. Hein. C'est vrai que son histoire a l'air beaucoup plus compliquée que j'imaginais, donc ma foi. Du coup, et toi, Feverstein, quel est le personnage dont tu voulais nous parler cette semaine ? Alors, on va partir sur Helko. On reste sur les animaux. Hein. Donc là, on va partir sur une belle vache qui s'appelle Bessie au poil brun, qui pèse 260 kg et 1,35 m en encolure.
Donc c'est une vache qui va devenir vampire, parce qu'à la base c'est une gentille petite vache qui vient en Suisse, et à un moment elle va se faire attaquer par Dracula, qui pouvait plus attaquer d'humains, et du coup il tombe sur une petite vache, et il prend son sang, et du coup Helko survit, et se fait du coup transformer en vache vampire. Son propriétaire, qui s'appelle Hans, le matin quand il voit justement le cadavre de sa vache, est tout triste, il l'enterre, mais voilà, et après il essaie de l'oublier, il peut pas se résoudre à la manger parce qu'il est attaché à elle, et justement bah, du coup la nuit suivante, elle sort de terre, et après elle va aller continuer de survivre en chassant comme ça, en chassant en particulier des fermiers. Petit à petit elle va aller aux États-Unis, et à force justement de chasser des fermiers la nuit pour se nourrir, parce qu'on se rappelle du coup que comme c'est une vache vampire, elle a les mêmes capacités qu'un vampire, elle a la même capacité de régénération, elle a des sens vraiment accrus, une force beaucoup plus puissante, et elle a même une cape un peu à la Dracula qu'on peut voir, qui lui permet également de voler et de lui offrir des espèces de d'ailes de chauve-souris. Et du coup elle va donc attaquer différents fermiers aux États-Unis pour justement satisfaire sa soif, et va attirer l'attention d'un enquêteur qui va bientôt arriver dans le jeu, qui est Howard the Duck, donc le petit canard comme ça vert en général. Donc lui, il va se dire, tiens, il y a un animal comme ça qui est un peu louche, là, qui traîne la nuit et qui commet des meurtres, et il va essayer d'enquêter pour trouver de qui il s'agit. Parce que lui, son rêve à Howard, c'est de se faire embaucher par la police, et du coup, il essaie de se faire mettre en avant en résolvant des affaires compliquées. Et du coup, en se baladant la nuit, en étant camouflé la nuit, il vient en surprendre justement cette Bessie, et un combat s'engage entre les deux bébêtes, et c'est Howard qui va gagner. Il va réussir du coup à blesser gravement la vache laitière, et qui va être laissée pour morte. Mais la vache survit évidemment comme c'est une vache vampire, mais comme l'affaire fait du bruit, elle attire l'attention d'un certain docteur Kilgore, qui est on va dire un méchant du lore, qui va du coup s'intéresser à elle, qui va d'une part la soigner, mais surtout pour pouvoir récupérer son lait vampirique, qui a des capacités du coup de guérison vraiment extraordinaires. En effet, le docteur Kilgore souffre d'un cancer, et il se rend compte que le lait peut en tout cas atténuer sa souffrance, en tout cas freiner l'évolution de sa maladie. Toutefois, il n'arrive pas à guérir de ça, il se rend compte qu'au bout d'un moment, Bessie n'est pas suffisamment, efficace, et il décide du coup de procéder à des expériences sur Deadpool, dont il sait que du coup les cellules ont une capacité de régénératrice beaucoup plus importante. Le docteur Kilgore, du coup, en récupérant les cellules de Deadpool, va se transformer, va devenir une espèce de monstre comme ça, hideux, et Helko et Deadpool s'allient pour en venir à bout, donc c'est un combat qui n'est pas évident. Et hélas, il commet une erreur, c'est qu'à la fin du combat, ils sortent du bâtiment dans lequel justement ils avaient combattu, et en sortant du bâtiment, ils oublient que le jour s'est levé, et la vache meurt instantanément, évidemment, face aux rayons du soleil. Et Deadpool, comme il est attristé, il se dit « Oh non, mince, il faut quand même qu'elle survive, la pauvre, elle m'a bien aidé, etc. » Il arrive à revenir dans le passé pour prévenir la vache qu'en gros, il ne faut pas sortir parce que sinon elle va mourir. Et du coup, à chaque fois qu'il revient dans le passé, il essaie justement de prévenir la vache, mais ça marche jamais, et à chaque fois, la vache finit par ressortir, à se faire cramer. On va dire, elle meurt en se transformant en un bon gros steak. Finalement, un des Deadpool a une idée, il revient du coup dans le passé, et au lieu du coup de leur dire « Ah, ne sortez pas, ne sortez pas », il décide d'enfoncer un pieu dans le cœur de la vache pour l'empêcher, on va dire, de facto de sortir, et en gros, pour plus ou moins la neutraliser. Et il attend que le soir arrive pour effectivement la sortir, retirer le pieu, ce qui permet à la vache de survivre. Et voilà, et du coup il a sauvé la vache, mais hélas en fait la vache n'est pas dupe, et elle se dit mais pourquoi on a vu autant de Deadpool avec un steak en main, qui est en train de manger un steak, et là en fait elle comprend que les Deadpool qui ont à chaque fois échoué dans le passé, en fait ont mangé le steak qu'elle avait fourni, parce qu'en mourant en fait elle a donné un bon steak bien saignant, et du coup le Deadpool l'a bouffé directement. Après il est revenu dans le passé pour dire ah au fait il faut pas sortir, mais il mangeait finalement Helko. Donc il y a eu ils sont un peu froissés les deux, ils sont séparés, mais en bons amis, mais un petit peu, voilà. Et Bessie continue sa petite aventure de vache vampirique. Alors on est vraiment dans un lore un peu plus fantaisiste, un peu plus rigolo, mais voilà, on est un peu dans l'esprit de Deadpool, et finalement ça s'y prête plutôt bien, moi je trouve. Écoute, j'étais loin de m'imaginer ça concernant Helko. En tout cas, merci beaucoup pour cet éclaircissement et ce complément d'information, Faber-Stein. Dans tous les cas, Faber-Stein, on se retrouve pour du nouveau contenu, de nouvelles vidéos, de nouveaux streams très bientôt. En attendant, portez-vous bien, et puis surtout... Bon snap!